Hier, j'ai titré l'aéroport international de Bissau, mais j'ai oublié de vous faire passer parce que ça venait de se passer. Bah, ça venait juste de se passer. Il y a eu coupure de courant à l'aéroport international de Bissau, à Conakry. Il y a un frère qui m'a envoyé la vidéo, mais j'avais déjà engagé la vidéo pour le direct. Mais bon, nous allons faire passer. Vous allez voir. Certainement, vous avez vu. Avant ça, je voudrais prendre mes condoléances à toutes les familles des victimes de l'accident entre Massanta et Conakry. Il y a eu hein, le bus Kuruma et fils qui a fait un accident. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Beaucoup de blessés. Toutes mes condoléances. Voilà. Parce que si je ne le dis pas tout de suite là, par erreur ou par oubli, ils viendront encore. Mais dis non, parce qu'il y a un qui m'a. Ils sont trois comme ça qui m'ont envoyé des messages. Tu ne parles pas de Massanta, tu ne parles pas Massanta. Il y a quelqu'un de Massanta qui est comme ça, comme ça. Et je rentre pas dans ce débat-là. C'est un cas de décès. Je prends mes condoléances. Voilà. À toutes les familles. Voilà. J'ai même un cousin qui est décédé dedans. Un cousin de près. Voilà, moi-même je suis en deuil, moi-même je suis en. J'ai perdu un parent, dans toutes mes condoléances. Un accident grave même. Voilà. Mais, nous allons commencer par le premier titre concernant mon jeune frère Guido Fulbert. Guido Fulbert que je salue depuis sa cellule. Guido Fulbert qui est en prison par injustice. Hein. Merci à tous, merci, voilà, merci mon beau, merci à tout le monde. Guido Fulbert, qui est en prison, parce que simplement certains veulent qu'il soit en prison, c'est tout. Guido Fulbert n'est pas en prison parce que il était une menace pour la Guinée. Guido Fulbert est en prison parce que certains ethnos de notre communauté voulaient qu'il soit en prison. Parce que c'est un règlement de compte au temps d'Alpha Condé qu'on a eu à ressortir au temps du CNRD pour régler les comptes du pays. Il y a une cagnotte en ligne, c'est-à-dire une cotisation pour Guido Fulbert. Il y a eu des négociations entre des avocats et lui, c'est-à-dire et les parents entre Guido Fulbert, les avocats de Guido Fulbert et la famille de Guido Fulbert, ou certains frères qui se battent pour la cause pour que le petit soit libéré. Il y a eu un accord sur un montant à payer. Voilà. Voilà. Ah oui, Majid, oui. Donc, c'est ma part, parce qu'il y a un grand frère qui m'aime beaucoup, c'est un coton depuis Mamou, qui m'a fait part de cette situation. Mes grands frères, ce qui concerne, je le répète encore une fois, ce qui concerne cette communauté, la défense de la vérité, vous n'avez pas besoin de me demander pardon, il faut faire passer sur la page. Je suis prêt pour ça. Voilà, personnellement. J'ai parlé une fois, deux fois avec Guido Fulbert. Voilà, il sait que je le soutiens sur tous les plans. Voilà. Donc, sur ma page, à mes abonnés, à tout le monde, il y a une cagnotte en ligne pour Guido Fulbert. Voilà, pour Guido Fulbert. Je vais lire la partie pour que ça soit un peu précis. Yannick, comment vas-tu? Attendez. Excusez-moi. Voilà. Ça est là. Voilà la partie. Voilà. Voilà ici. Les noms des personnes qui ont cotisé sont là déjà. 20 euros, 20 euros, 30 euros, 30. Merci à toutes ces personnes. Voilà. Mais voilà. Voilà, le voilà ici. Voilà la page. Vous avez vu, hein? Soutien pour Guido Fulbert. On vient juste de lancer déjà à 100 euros. Donc, on le dit merci. Merci à toutes ces personnes-là. Voilà, donc c'est ça. Chers frères et sœurs, les numéros sont là.
Voilà, les numéros sont là. Je vais donner le numéro. Voilà. Bon, nous allons pas. Voilà, attends. Après, je vais mettre le numéro sur ma page parce que le frère m'a envoyé seulement un message. Voilà. Le numéro est là. Je vais faire passer le numéro sur ma page. Ce qui concerne Haji le King, je vais apporter une petite précision. Voilà, ne vous en faites pas. Vous me connaissez. Vous me connaissez très bien. Voilà. Je vous dis encore une fois, je me connaissais très bien, Haji le King. Sauf la puissance de Dieu, la puissance d'Allah, parce qu'Allah est plus puissant que tout. Je dis bien, sauf la puissance d'Allah, merci Pitaka, merci beaucoup. Sauf la puissance d'Allah, Haji ne sera pas rapatrié dans ce pays, la Guinée. N'oubliez ça. C'est-à-dire, quand ne vous fatiguez pas pour ça. Et ça, vous voyez. Au-delà même du communiqué des différents avocats, son principal avocat, j'ai son information ici, je peux faire passer, attendez, vous allez écouter l'avocat. Pour que Haji soit transféré, il faut qu'il y ait une demande de transfert du ministère des Affaires étrangères de la Guinée à celle du Sénégal d'abord. Ça commence par les affaires étrangères. Des affaires étrangères, on transfère ça au ministère de la Justice. Du ministère de la Justice, on envoie ça au parquet. Du parquet, c'est une procédure. Ça peut prendre 2, 3, 4, 5 mois. Ce n'est pas à l'instant. Vous savez que vous pensez que c'est un problème de claquement de doigts. Non, ça prend assez de temps. Il faut d'abord une demande d'extradition, passer par les affaires étrangères. Les affaires étrangères envoient au ministère de la Justice du Sénégal. Ils analysent, ils transfèrent au parquet. Le parquet saisit la justice. Et là où il a été, c'est comme ça, c'est une procédure. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis qu'il y a des documents. Voilà. Il y a tellement de... il y a tellement de documents qui ont été fournis d'abord par Amnesty International Sénégal. Amnesty International Sénégal. Amnesty, Maître Alontine et son équipe ont déjà déposé des documents référence concernant la Guinée, où il va. Je vais vous dire quelque chose, ce qui a été dit. Parce qu'il a été libéré par le procès, il a été libéré. Parce que rien n'a été retenu contre lui. Ils ont demandé parce que, ce qu'ils ont demandé là, c'est parce qu'il est en saisie illégale. Et pourtant, il a demandé des dossiers d'asile des dossiers qui est en analyse. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé? Il faut l'extrader dans un autre pays. Des destinations ont été proposées, la Guinée-Bissau, la Gambie. Mais c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc laissez tomber. Ne vous fatiguez pas pour ça. Voilà. Même s'il devait être extradé là, ça va prendre 8, 9, 1 an. Ce n'est pas à l'immédiat. D'ici là, vous verrez si le CNRD est là. Nous allons laisser ça. Donc, vous avez compris concernant Guido Fulbert, nous demandons aux uns et aux autres d'aider le petit. Tu as 1 dollar, 2 euros, 10 euros, 10 dollars. Il faut cotiser, il faut participer. Voilà, je laisserai le numéro sur ma page, Inch'Allah. Maintenant, c'était hier. Hier, c'est Sauce qui m'avait envoyé ça là. Je ne sais pas si j'ai l'image ici. Je veux. Voilà. Merci, voilà. Il a également droit au recours, là. J'ai oublié l'affaire de recours. Il y a l'affaire de recours encore. L'affaire de recours, là. Le procureur peut, et le juge peut envoyer ça. On dit, bon, le procès en 20 mois, ou bien 30 mois. Il dit, j'envoie ça jusqu'au 30 décembre 2025. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ce n'est pas l'immédiat, tout de suite, là où on va prendre l'embarqué et partir. Non. Non, à Tekela Ounia. Vous aussi. Ne faites pas si vous connaissez. Moi au moins, je n'en sais rien dans l'affaire de justice. Mais au moins, vous savez que ce n'est pas à l'immédiat. Donc, laissez tomber, ok? Calmez-vous, s'il vous plaît. Regardez. Je voudrais remercier Tamba Zakaria et Mohamed. Parce que ce que les deux là disent est extrêmement intéressant. Parce que j'ai entendu Tamba dire, nous n'avons pas demandé ce régime.
J'ai entendu mon maître dire qu'ils n'avons pas signé de contrat avec ce régime. Nous allons les écouter si j'ai la vidéo. Voilà, parce que c'est très intéressant. Je ne vais pas faire passer toute la vidéo, mais nous allons écouter la partie la plus importante. Parce que, Wole Tounia dit quoi? Nous n'avons pas demandé ce régime. Nous n'avons pas demandé ce régime. Nous n'avons pas de contrat avec ce régime. Et ma mère dit que nous n'avons pas élu ce régime. Effectivement, grand frère, il a demandé l'asile. La procédure est bel et bien en marche. Il a demandé l'asile. Et la procédure est en cours. Il faut d'abord que la procédure finisse et puis qu'on refuse sa demande d'asile et puis qu'on l'expulse. Ça prendra assez de temps. Assez de temps. Ce qui concerne son jugement, ça c'est fini, il est libre. Mais la police le retient parce qu'il y a une demande qui vient de la police guinéenne. Ce n'est pas la police guinéenne qui demande l'extradition, l'Interpol. L'Interpol ne peut pas, c'est pas l'Interpol qui va l'extrader. Il faut passer par les affaires étrangères. J'ai entendu l'avocat dire que c'est de l'intox. Il a parfaitement raison. C'est de l'intox. Dire que la police, l'Interpol est dans les locaux de l'Interpol Sénégal. Laissez tomber. Ce n'est pas comme ça marche. Ce n'est pas un criminel international. Ce n'est pas un assassin. L'Interpol intervient dans un cas d'assassinat, dans un cas très grave. Mais c'est qu'est-ce que Agi a fait où l'Interpol viendra se mettre dedans. Laissez tomber ça. OK? Voilà. Remercions ces deux personnes, s'il vous plaît. Évoluons. Attendez. Naila est là. Excusez. Quand ton enfant te dit, j'ai faim, j'ai envie de manger, et parce qu'il a dit ça, tu le gifles, tu l'enfermes, et tu lui dis, bon, tu vas passer une semaine enfermé. Bien. C'est ce qui est en train de se passer avec ce régime qu'on n'a pas demandé. Hey. Ce régime qu'on n'a pas demandé, ça c'est important quand même de le dire. Bien. Si on n'entend pas ça... On n'a pas demandé, on n'a pas élu. On a essayé, on ne les a pas élus. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de contrat entre nous. Le contrat dont Montesquieu parle quelque part, c'est un contrat et souverainement voulu. Bien. On l'a négocié, on a un inconvenu d'accord parti et c'est eux là qui nous conduisent. Donc je veux quand même rappeler au CNRD, pour terminer là-dessus, il faudrait qu'il y ait cette humilité qui reste pour se souvenir de ce premier élément que j'ai dit. Des pouvoirs qu'on a élus, nous les avons élus et nous les acceptons sur la base d'un contrat. Oui. Mais des pouvoirs qu'on n'a pas demandé, qui sont imposés à nous, il n'y a pas de contrat entre eux et nous. Il faut... C'est ça. C'est la vérité. C'est-à-dire le pouvoir qu'on n'a pas élu là. Parce qu'en fait, certains font croire aux Guinéens que le pouvoir a été élu. Et, comme si, c'est-à-dire Doumbé a été élu. Doumbé n'a pas été élu. Voilà, grand frère Abdourahmane Baldé. Bonsoir, grand frère Abdourahmane Baldé. Respect. Écoutez, il dit loin. C'est, même si Alpha Condé a été mal élu, c'est Alpha Condé qui a été choisi par une tierce personne de la population. Même si c'était 200 000 personnes qui ont choisi Alpha Condé, au moins la population a voté, a choisi. Est-ce que vous comprenez? Ils ont choisi. C'est-à-dire, c'est l'élection qui est. C'est l'élection. C'est une élection. C'est-à-dire, pourquoi j'ai fait passer cette partie? C'est parce qu'on me donne raison. On me donne raison. Quand je vous dis, dans tous mes directs, que c'est le peuple à travers un décret qui nomme le président de la République. C'est-à-dire, c'est le peuple. Le contrat, le peuple dit, je te donne un contrat de 5 ans. Pour me diriger, moi-même, pour me diriger, je te donne un contrat de 5 ans. Quand ton contrat finit, je renouvelle mon contrat ou bien je refuse de renouveler mon contrat. Voilà comment ça se passe. C'est la définition en termes simples de la démocratie. Merci à toi, Diallo. Merci, cousine. C'est ce que Tamba est en train de dire. C'est quelqu'un qui m'a tagué. Moi, j'aime beaucoup les personnes qui me taguent. Ils m'ont tagué. Il dit à moi, ils m'ont tagué, quand j'ai cliqué, j'ai ouvert la vidéo, un cahier. J'ai dit, mais il a raison. Le monsieur Tamba a raison. Et puis, il insiste, il rappelle au CNRD qu'il n'y a pas de contrat, parce que le contrat, c'est l'élection. Mais dans ce pays, là, les gens veulent nous faire croire que Mamadou Doumbé est légitime. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là est un acte normal, quoi.
faire un coup d'État est un acte normal. Qu'est-ce que je voulais ajouter sur ce que Tamba disait? Merci frère Ourba, merci pour les étoiles. Ce que Tamba, Konateke depuis Libre, comment vas-tu Konateke? Je voudrais ajouter ceci. Monsieur Tamba, il faut dire au CNRD que s'ils sont restés pendant 4 ans, c'est parce que le peuple l'a voulu. S'ils sont restés jusque-là, là, c'est parce que certaines personnes très intelligentes, des personnes qui ont toujours aidé dans la malhonnêteté des régimes militaires à rester longtemps au pouvoir. C'est parce qu'ils sont tombés sur ces personnes-là qui sont jusque-là au pouvoir. Sinon, le pouvoir-là, un pouvoir, ce n'est même pas le pouvoir guinéen. Le pouvoir appartient au peuple. C'est le seul qui décrète. Le seul décret qui appartient au peuple-là, c'est te donner le pouvoir. Je te donne ce décret-là, ce contrat-là. Ce contrat de 5 ans pour que tu me gouvernes moi-même, tu m'orientes, tu me mets, c'est-à-dire tu juges mes actions. Après 5 ans, je peux ne pas renouveler le contrat. Donc, il faut passer à une autre élection. La partie Mohamed Mara dit qu'on, d'ailleurs, on n'a pas choisi. Qui les a choisis? Et vous savez, dans tout ça, qu'est-ce qui me fait mal, moi, Benito? C'est parce qu'une armée régulière peut faire un coup d'État à un président. On peut le comprendre. Est-ce que vous comprenez? Je le répète, l'armée régulière, le chef d'État-major général de l'armée, ou bien le patron de la garde présidentielle, ou bien l'unité, toutes ces unités-là peuvent faire coup d'État à un président de la République. On peut le comprendre. Mais une unité qui a été créée, est-ce une unité qui a été créée pour lutter contre le terrorisme, n'a aucun droit. Est-ce que n'a aucun droit de faire un coup d'État. Quand nous disons à ces petites personnes que Mamadi a juste profité de sa position, profité de sa situation, profité de la confiance, pas du professeur Alpha Condé, pas du gouvernement, mais de la confiance de tout le monde, et surprendre le président. Parce qu'il l'a surpris. Parce que la seule personne qui savait qu'il voulait faire un coup d'État, c'était les renseignements d'Alpha Condé. Eux, ils savaient sur toute la ligne que le petit préparait un coup d'État. Et quant au professeur Alpha Condé, le démocrate, qu'est-ce que lui s'est dit? Je vais dissoudre l'unité parce que la situation pour laquelle j'ai créé cette unité, c'était pour lutter contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire a été attaquée 2 fois vers le nord. Le Mali, les terroristes avancent. Donc, pour barrer la route. Excusez-moi. Je vais aider un peu. Donc, on m'a conseillé de créer cette unité pour barrer la route pour des éventuelles attaques terroristes contre la Guinée. La seule erreur du professeur Alpha Condé, c'est l'emplacement de cette unité qui a fait défaut. Cette unité ne devait pas rester tout autour de la capitale. Parce que ce n'est pas dans la capitale qu'on attaque, les terroristes attaquent. Un terroriste qui n'est pas déjà installé dans un pays passe par la frontière. Autant de l'ancien raconté, le président l'ancien perd son âme. Nous connaissons l'unité frontalière. Quelle est l'unité qui était à la frontière? C'était le BAT. C'était les Sekouba Konaté. Nous sommes des Massanta. Ceux qui étaient vers Bayaro, Daro Bayaro, vers la frontière libérienne, demandez à tous ceux-là, si vous ne rencontrez pas les Sekouba Konaté, si les motoscooters. Il y avait beaucoup d'éléments à débérer aussi. On est bon. Merci beaucoup, frère, pour les étoiles, Kita. Comment vas-tu? On les rencontrait sur la moto. Thomas Anta, il y avait les Bérouza en manches courtes. Ils étaient à la frontière. Parce que le Libéria n'était pas une sécurité.
la Sierra Leone n'était pas une sécurité. Donc il y avait permanemment des bérets rouges tout au long. Tout au long, parce que c'était une zone qui venait de sortir d'une guerre. Donc il fallait permanemment surveiller cette zone. Donc si nous avons créé une unité, chargée, une unité chargée de lutter contre le terrorisme, quel allait être leur emplacement? C'était à la frontière. Ils devaient être à la frontière, pas tout autour de la capitale. Pas tout autour de la capitale, c'était l'erreur. Et ça là, aussi c'est certaines personnes, des ethnos au sein de nous qui l'ont voulu, des ethnos. Hein, Agnafo, des vrais ethnos parce que simplement, ils ont menti, ils ont peint l'IFDG, hein, ils ont peint l'IFDG, c'est-à-dire ils ont présenté l'IFDG comme le parti, comme un parti microbe, un parti qui presque s'apprête à prendre le pouvoir, comme si c'est un parti militarisé, un parti qui peut à tout moment prendre le pouvoir, donc il fallait... Voilà toutes ces explications. Sinon, la seule et unique place des forces spéciales, c'était à la frontière. Il fallait les envoyer vers le Mali. Il fallait les envoyer vers le Mangana. Ceux qui connaissent Mangana, c'était tout autour de Mangana, le long, en remontant vers Siguiri, et même vers Dingray, en venant un peu vers Dingray, Altougagatouini. C'est par là-bas. Mais ils ont pris l'IFDG. Et puis, vous savez, juste après le coup d'État, c'est ce qu'ils ont pris là, comme explication pour nous donner. Moi, j'étais là, il y a des mamans ethno qui m'appelaient ici, Benito Aïkalo, coup d'État, mais, Abaraki Djibonini, Anisson, Anisson, coup d'État, Djibonini, Aïkalo, Selda Lengalo, Aïbra manifestation qui a ébrassé. Donc, où est ben la complication, nous dit Benito, Aïkalo, vraiment, Mawadi Kamenka, ma ben. Mais comme Abraham Kela, Anike. Voilà, c'était leur discours. Hein. Et toutes ces mamans-là avaient l'espoir d'avoir des postes comme ils l'ont obtenu au temps d'Alpha Condé. Il y avait beaucoup de mamans qui étaient installées en Europe, qui ont fait nommer les enfants au temps d'Alpha Condé à des postes clés. Donc, les mêmes mamans-là, comme on avait contre-attaqué Mamadi, on venait avec force. Et puis, ils ont vu qu'on ne lâchait pas. On était là, dès après le 5 septembre. Et ça allait porter fruit. Ça allait perturber, déranger et démasquer Mamadi. La malhonnêteté de Mamadi. Qu'est-ce qu'ils ont fait immédiatement? Merci, Yari. Immédiatement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et vous voyez, ils ont automatiquement... Ah, mon frère, tu te fatigues. Vous comprenez? Ils ont voulu nous apaiser le cœur et nous faire calmer et puis pour nommer encore les enfants. C'est ce qu'ils ont fait. Beaucoup ont obtenu des postes. Beaucoup ont obtenu des postes. Mais sauf que Mamadi n'a pas accepté ce qu'il voulait. Parce que ceux qui ont managé les postes-là ont demandé de l'argent. Ceux qui ont été nommés dès après le coup d'État-là, c'est l'argent. Tu veux être directeur national, l'argent. Tu veux être tel, l'argent. Tu veux être ministre, l'argent. Tout était financé. Et ça, vous comprenez? Donc, Mfalou, nous remercions Tamba et Mohamed parce que c'est une réalité. En dans la Tambikotounou, dans la Frère Timboko, nous allons faire partial parce que tout n'y a mais tout n'y a les. Et c'est vrai. Donc, allez les valentiers, parce que c'est la vérité. Et on y a la tambi encore. Tu y en es. C'est-à-dire, vouloir, on s'est tellement basé sur, c'est-à-dire, on s'est tellement branché, on s'est tellement focalisé sur l'IFDG, le monde entier a totalement oublié, ignoré les intentions de ce petit, le Prosafa. Parce que les renseignements ont dit au Prosafa Kone, même de Tegane, et dit le petit là, selon les informations, il veut faire ça, il veut faire ceci, il veut faire cela. On dit non, laisse, à mon retour là, je vais l'envoyer à l'intérieur du pays. Le petit il a profité, il a organisé ses hommes, parce que lui-même en personne, il pouvait pas descendre de là où il était pour venir faire le coup d'État. Mais il a joué sous l'esprit, la malhonnêteté du chef d'État-major général, tout le monde. Il a joué sous l'esprit de tout le monde pour s'implanter. Et là où il est comme ça, pour partir là. Nalma Wouli, Télé de Wakalto, Albert. Aldaï, c'est ça.
Il n'y a pas de contrat entre eux et nous. Il faut donc beaucoup d'humilité. C'est comme quand ton enfant te dit, j'ai faim, j'ai envie de manger. Et parce qu'il a dit ça, tu le gifles, tu l'enfermes et tu lui dis, bon, tu vas passer une semaine enfermé. Bien. C'est ce qui est en train de se passer avec ce régime qu'on n'a pas demandé. Ce régime qu'on n'a pas demandé, ça c'est important quand même de le dire. Bien. Si on n'entend pas ça... On n'a pas demandé, on n'a pas élu. On a on les a pas élus. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas de contrat entre nous. Le contrat dont Montesquieu parle quelque part, c'est un contrat souverainement voulu. Bien. On l'a négocié, on en a convenu d'accord parti, et c'est eux-là qui nous conduisent. Donc je veux quand même rappeler au CNRD, pour terminer là-dessus, il faudrait qu'il y ait cette humilité qui reste pour se souvenir de ce premier élément que j'ai dit. Des pouvoirs qu'on a élus, nous les avons élus et nous les acceptons sur la base d'un contrat. Ouais. Mais des pouvoirs qu'on n'a pas demandés, qui sont imposés à nous, il n'y a pas de contrat entre eux et nous. C'est tout. Merci, mon frère. C'est la vérité. C'est-à-dire les pouvoirs que nous avons élus là, nous acceptons. C'est un contrat. Ce qu'on n'a pas élu là, on n'a pas demandé là. Il n'y a pas de contrat. Hein? On n'a pas de contrat. Ah, vraiment. Antetnu afonyo eba. Allahu akbar. Et puis, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Parce que les deux personnes-là ont fait ma journée. Salut, comment vas-tu? Hein? Tchernosa Duba, comment on appelle ça? Ça, c'est ton problème à toi. Voilà, parce que moi, personnellement, moi, je n'ai pas demandé que tu viennes sur ma page. Voilà, je ne veux pas demander. C'est-à-dire, ta ligne politique qui t'appartient là, garde ça. Mialnama, nous n'attaquons nos pima. Et ben, nous, n'endermons fou. Mialnama, parce que je te connais personnellement. Tu as longtemps manqué de respect à Benito. Midiabakima. Moi-même, je suis surpris que tu viennes te flanquer ici, que même si tu n'es pas d'accord avec ma ligne politique, que tu, moi, je m'assume. Moi, je m'assume pas, hein. Je dis la vérité, parce que garde ces appréciations-là pour toi. Vous avez vu cet individu-là, celui qui est là. Il a passé tout son temps à m'insulter sur toutes les plateformes. Je profite de l'occasion, mais yaboma, hande, petit. Voilà, je ne te bloque pas, hein. Parce que ça, moi, je ne te bloque pas. Tierno, comment il s'appelle là? Je ne te bloque pas, petit. Je le répète, il faut garder les trucs-là pour toi. Il faut garder ça pour toi. Famille. C'est les enfants mal éduqués là. Je m'efforce de les accepter. Parce que moi que tu vois comme ça là, si c'est pas par respect à d'autres personnes là, je ne peux pas passer ma vie dans des milieux très difficiles. Très difficiles. Des milieux qui se font respecter, parce que quand tu entends Mamou, ce sont des milliers ou des Mamounais qui se font respecter. Quand tu entends l'abbé, ça c'est des gens qui se font respecter. Tu comprends, non? Et je suis né à Pita. J'espère bien, si tu es bas de Pita là, tu sais très bien, c'est des personnes qui sont trop fières de leur localité. Donc, je ne peux pas passer mon temps dans ces trois coins et venir soutenir Adalaba et puis me laisser ridiculiser. C'est à cause de ça, je ne laisse pas un enfant se foutre de moi. Je ne laisse pas un enfant se foutre de moi. À la même seconde, je te fais corriger. Angal ne di paikun e bagun e tianki. Yatantarum paikun, handem yatantarum paikun django. Tu comprends? Je suis resté ici pour faire chicoter des enfants, des impolis sur ma page. Excuse-moi, ça c'est entre parenthèses. Je te connais très bien. Et garde les appréciations là pour toi. Ça ne m'intéresse pas. Tu as compris? Donc, les gens m'ont demandé pourquoi nous ne partageons pas les images de l'héros. Excusez-moi, je ne partagerai pas les images de l'héros, moi. Mon frère de Petel, là, voilà. D'ailleurs, voilà quelqu'un qui a fait le même quartier que moi. Je suis de Petel. Voilà, je suis le premier habitant de Petel. Quand tu arrives, tu dépasses, ceux qui connaissent Mamou, dès que tu dépasses le pont,
en venant une bataille qui donne, voilà, une centrale électrique qu'on y. Quoi, Agrima, peut-être long, c'est là-bas, j'ai grandi. J'ai fait toute ma vie à l'Agrima là-bas. À l'Agrima de Mamou. Voilà le Cogip. Voilà, Agrima. Voilà Mamou Wall. C'est là-bas où je me lavais, quel que soit, c'est là-bas où on se lavait, on faisait tout au quartier et à l'énergie. Donc, je ne me fâche pas jusqu'à le petit, c'est foutu de moi sur beaucoup de pages. Hey, mais comment tu passes, Goto? Mais tu me commentes dans, je me commente dans le bon sens, Ayamaro Yennala, non? Ça dit comme ça, Oyennala, il prend le prix de m'insulter. Toi, Agrima, Saïd, ouais, frère Saïd, toi, Agrima. Lui, j'ai grandi à l'Agrima là-bas. C'est là-bas que j'ai grandi. J'ai fait toute ma vie. Je suis arrivé à l'Agrima là-bas en 87. Fin 87. C'est là-bas. En fin 87, nous sommes arrivés à l'Agrima. Si tu n'es pas informé là, je t'informe. Voilà. Donc, quand tu n'as pas partagé, quand on se renouait, le grand faisceau, Kota Amadou, on m'a donné ton frère Abdoulbar, donne un numéro. Non, donne un adan nos photos avec Madame Sébastien et Madame Bouta. Mais, excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Ne répondez pas à Ibrahim Sangaré. Voilà, ne répondez pas. Voilà. Ah, ok. Ok, voilà. Donc, frère Amadou, note dans le salon, j'allais appeler après. Donc, on dit, Benito, vous n'avez pas posté les images de l'héros. Vous savez, ce matin, j'ai causé avec Tidiane, qui se trouve là-bas. C'est-à-dire, il est à l'héros. Tidiane, il est à l'héros. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui m'a expliqué ce qui s'est passé. Il dit, vous avez à peu près parlé de ce qui s'est passé à l'héros. Mais en réalité, voilà ce qui s'est passé. Il dit, grand frère Benito, le tapis qui fait passer les graviers contenant de l'or, qu'on tapit l'homme de Souni, c'est-à-dire, quand ils sont arrivés, quand le SMND est arrivé, il y avait la cola, il y avait la délégation, qu'est-ce qu'ils ont dit au sas de l'héros? Ils ont dit au sas de l'héros, qui vont faire la mosquée, à part même les routes, ce n'est pas un problème de route. La mosquée de Dingraï, certains emplacements de Dingraï ville, qui vont tout changer. Et secondo, ils ont promis que personne ne sera recruté, si ce n'est pas les enfants de l'héros de Dingraï, hein, et une partie de Sigiri, parce que c'est comme ça. La nouvelle mine découverte là est en grande partie dans Dingraï. Parce que toute la totalité de la mine souterraine là se trouve à Dingraï. Et qu'est-ce qui s'est passé, M. Benito? La population a vu, ce n'est pas une invention. Hein. Des jeunes venus des autres horizons pour s'installer à l'héros. Venus travailler à la place de la population, de la jeunesse de l'héros. La jeunesse de tous les villages environnants. Parce que c'est ce qui a été conclu. Et qu'est-ce que les jeunes ont fait? Ils n'ont pas discuté. Ils n'ont pas insulté quelqu'un. Les jeunes là se sont levés, ils sont allés brûler le tapis. Il y a un tapis, oui, j'ai dit effectivement, il y a un tapis qui fait passer les graviers, qui contient des grêles d'or. Qu'on nous nomme Souni pour ne pas que ça passe. Ils ont tout brûlé. Ils ont fait appel au camp militaire. Pas les gendarmes ni les policiers. Ils ont appelé le camp. Le camp. Et ce qui s'est passé, si bien explicativement, tu ne vas jamais regarder Mamadi. Ndargomotoum. Ah, voilà, le convoyeur, merci beaucoup. On appelle ça le convoyeur, merci beaucoup. Benito, ils ont pris des coupes-coupes. Les coupes-coupes. Pour ceux qui n'ont pas les baïonnettes des militaires, là, ils ont pris les coupes-coupes. Pour couper les doigts de certains jeunes. Nous avons vu des militaires prendre des baïonnettes.
tracer comme ça les cuisses de certains jeunes. Les muscles, ils fendent les muscles. On dirait que ce ne sont pas des humains. Noa est la hutu de ni, hutu gol. Huta, la de hutu gol, ningari. Mais hutu ni mbewa. Tu arrives au niveau des pattes de derrière là. Au niveau de la cuisse là. Tu veux, voilà ni, ou de ta peau ni. C'est comme ça, ça s'est passé. Tout d'ingré, tous ceux qui sont de l'héros. Village environ, tous les jeunes. Allah mohoula le hande, sorry. Et je te dis, je t'envoie deux images que moi-même j'ai pris. Yalam, konimi, moi de photo, ni moi de film, mais pour ma propre sécurité, en araouniya. Tu regardes toi-même, il faut regarder. Je me suis filmé comme ça. Je t'envoie, grand frère, tu vas voir ça. Et puis quand on te prend, est-ce que vous allez. Et puis on te demande, est-ce que vous allez insister? Et puis on te demande, quand les militaires prennent les jeunes comme ça, ils prennent par leurs pieds comme ça, est-ce que vous allez répéter? Tu vas répéter? Non. Même si le jeune dit non, il fait comme ça, il ouvre. En République de Guinée. Et je te le dis, hein, il y avait le nom d'Alpha Condé sur toutes les lèvres. Il faut demander. Je sais que tu as mis avec beaucoup de petits d'Ingra. Il faut les demander. Le nom d'Alpha Condé est sur toutes les lèvres. Il ne disait pas qu'Alpha Condé. Vous dites qu'on hacke Alpha Condé Nangui Jamaoni. Hacke. C'est-à-dire les péchés d'Alpha Condé qui est sur la population comme ça. Ils ont dit carrément. Hein. Toutes les sociétés qui étaient là. Les compagnons au temps d'Alpha Condé profitaient à la population ici. Tout le monde le disait. Donc, moi, je me limite là. Pourquoi j'ai mis le mot interconnexion? Je ne perds pas mon temps sur l'affaire d'interconnexion. L'interconnexion là. Interconnexion là, je ne perds pas mon temps sur l'interconnexion. Je peux faire passer la vidéo. Parce que c'est Alpha Condé, si j'ai bonne mémoire, Alpha Condé est parti inaugurer l'interconnexion des pays de l'OMVG. Mais j'apprends aujourd'hui que le gouvernement a tenté de lancer l'interconnexion. Hey, laissez tomber. Vous avez vu la coupure de courant à l'aéroport. Je vais t'envoyer un inbox. J'arrêterai l'image là. N'oubliez pas d'aider Guy de Fulbert, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'aider Guy de Fulbert, s'il vous plaît.